Alors, ça raconte quoi là-haut? Raconte que ça se fout de ma gueule. Que par là-bas ça a l'air plutôt bon, que j'ai pas le son, c'est normal. Pas pourquoi j'ai pas de son. Ça, c'est le choix du téléphone portable et de l'internet à la campagne. Je sais pas pourquoi, en l'espace d'une fraction de seconde, il y a tout qui s'arrête. Apparemment, il y a du son. Et que ça dit quoi là-bas? Problème. Il n'y a que 2-4. Hein. Bon, je vais surveiller du coin de l'œil, voir si ça le fait encore ou. À quelle heure il est? On va essayer de faire ça comme ça. J'essaie de finir cette journée de chasse quand même. Je vais surveiller comme ça, ouais. Et on va bien voir. Donc nous on était par là. L'école verte qu'il y avait là, ils viennent de se barrer. Je suis là-bas. Donc a priori la connexion elle est revenue. Grosso modo, c'est juste pour me faire chier quoi en gros. Donc ça piaffe de merde.
Les autres, je sais pas, mais au moins il y aura celui-là. Je vais arrêter de bouger, oui. Merde. Ah, tant que la balle y arrive. Par contre, il y en a un a priori qui est resté quand même là-bas. Donc je fais mon piaf déjà pour commencer. Ça c'est inutile de vous dire que ça va être empaillé direct. Voilà. Ça j'ai dit empaillé direct. Voilà. Donc il est hors, théoriquement il devrait me le compter. Voilà. Donc là je sais qu'au moins ces missions le fonctionnent. Là on va essayer d'aller récupérer le coyote là-bas. Ou le renard quand même plutôt. C'était un renard roux, ce genre de choses. Et que normalement il y en a un qui est crevé par là. Ah, il y en aurait même deux. Vu comment c'est rose. Renard roux. Mais je pensais qu'il y en aurait un quand même plutôt par là. Alors ce qui m'étonne c'est que ce soit aussi rose que ça. Pour moi j'en ai plein quelqu'un là.
pas pourquoi, je sens bien que je suis en train de le suivre pour les prunes, quoi. Je suis même pas allé faire le point d'interrogation un peu plus loin. Alors là, 0,25, c'est très bien. Ah si, il est un peu plus haut là-haut. Très honnêtement, je n'y croyais plus trop. Là, je vais juste le prendre comme ça. Mais que, ouais, ce qui m'étonne, c'est que ce soit aussi rose que ça, en fait. Parce qu'on dirait que j'en ai flingué un deuxième. Bonsoir Anto, comment vas-tu? Sire! Ouvrez, on en a gros! Comme tu dis, c'est honteux. Ah, c'est la connexion qui est partie en vacances, qui revient, donc j'essaye de le relancer. Enfin bref, c'est la merde quoi. Et que bah là, a priori, c'est revenu, donc on va finir cette journée de chasse autant que faire se peut. Et que on sait jamais, il faudrait peut-être que j'aille à Lourdes brûler un cierge. Hein. Tchim. Ah là, c'est au minimum semi-remorque, quoi. Ouais, que grosso modo, c'est le nombre de fois que je l'ai arrêté et relancé, quoi. Ou à chaque fois que Streamlab a essayé de se reconnecter. Donc, c'est la merde, quoi. Ouais, oui, effectivement. Ça pourrait être une solution aussi, ouais. Non, à part ça, tu vas bien, toi, ouais. Là, ces jours-ci, je sais pas si tu étais en stream ou pas l'après-midi, mais que j'avais d'autres occupations. Hein. Comme ce soir, là, j'ai terminé. C'était vraiment la bourre. Hein. Ouais. Donc là, ouais, moi, en ce moment, c'est compliqué, on va dire. Hein. Que théoriquement, je dois commencer à 20h. Et que tout à l'heure, là, j'ai commencé, il était 9h30, quoi. Donc, c'est pas simple. Hein. Là, normalement demain matin je suis tranquille, demain après-midi relativement tranquille, vendredi soir ça va être un peu la merde aussi. Mais merci et je te rassure, c'est réciproque. Il n'y a que la semaine prochaine que normalement ça devrait être plus calme, on va dire ça comme ça. Et puis ici aussi, ouais. Il y a beaucoup de choses là. Il serait crevé aussi là-haut. Là, je sais pas trop ce que j'ai prélevé, mais dans tous les cas, apparemment, il n'y a plus rien. Ah non, c'est que. Ah d'accord. C'est que tout simplement, il commence à faire nuit, quoi. Ah, d'accord.
Ouais, donc j'en ai flingué deux tout à l'heure. D'accord, c'est pas trop l'horaire. Hein. En gros, quand tu te lèves, quoi. Quand tu auras déjeuné, pris la douche, ce genre de choses. Et là, moi, c'est pareil, samedi, théoriquement, je devrais être tranquille aussi. Ok, alors ça, il faut que je l'enlève parce que c'est plus vraiment d'actualité le concours. Là. J'avais complètement zappé que. Il fallait que je le vire. Hein. Ouais. C'est sûr. C'est quand même assez court. Ouais. Donc après, c'est toujours pareil. Ça dépend des joueurs. Parce que 2 heures, c'est. À condition que tu passes tout du premier coup. Parce que suivant les joueurs, que tu recommences encore et encore, tu peux y passer 4 heures quoi. Voilà, dans ce style là par exemple aussi, ouais. C'est que suivant le cas, ouais, tu peux faire, entre guillemets, faire durer un petit peu quoi. Donc la saleté de bestiole elle est là. Ouais. Ouais, celle-là on se demande bien pourquoi elle est morte aussi. Avec une course de tondeuse. Hein. Ouais, effectivement, ça peut être une solution aussi, ouais. Ça sert à beaucoup de choses une tondeuse. Forcément. Bon ça oui, je me doute bien que à ces vitesses là ça va être intéressant oui. Ça c'est quand tu as possibilité d'en perdre, c'est difficile de résister entre guillemets à faire des donuts comme ça. Ouais, que là j'ai pas ma guerre, que ça m'énerve, que je viens d'en boire un se barrer là-bas. En plus de la connexion internet là qui fait des manières, à mon avis j'ai les missions qui étaient pétées aussi, que j'en ai fait au moins 3 qui auraient dû me valider et qui m'a fait pour rester poli un gros doigt quoi, donc quand même pas terrible hein. La prochaine fois, prépare-toi, je sors la débroussailleuse. Hein. C'est sûr. La terre ici, Oxo. Oxo ici, la terre. Y a-t-il quelqu'un au bout du tuyau?
Et que là, on va aller quand même se faire ce point d'interrogation que j'étais venu pour ça initialement. Alors, en même temps, je me suis fait la famille Renaro, mais. C'est sûr. C'est pour ça que j'adore la phrase de Galadarian. Une journée sans rire, c'est une journée de perdu. Et il n'y a rien de plus vrai en fait. Donc ça en passant, c'est toujours bon à prendre. Où le gloud? Ah, c'est pas le gloud, c'est le glaude. Le glaude, ouais. Bah, il doit être sur Oxo, hein. Ouais, pour dire que le correcteur d'orthographe, lui, le glaude. Il doit pas trop connaître malheureusement. Il doit être un petit peu étranger à tout ça quoi. Ouais, que ça soit être un affût, je suppose. Et de surcroît là où il est placé. Voilà. Tout ça pour un appui entre guillemets. Bon. Ah ouais, ce foutre là. Que ce coup-ci. Ça va être la bonne, je veux dire. Mais comment je vais finir le stream moi-même, je dirais. Et non pas à cause d'une putain de connexion internet de merde. Hein. Que là, il commence à faire nuit. Que tant que la connexion le tient encore un petit peu, qu'elle part pas trop en vacances, on va s'arrêter là. Que. Là, c'est. Ah merde, il en reste un. Bah c'est pas grave, on le fera la prochaine fois. Parce que j'allais dire qu'on avait tout fini. Les points d'observation c'est fait, les aires de repos c'est fait. Les points d'interrogation, il nous en reste un à faire. Et que on se le fera bah, demain soir. Sinon après. Bah, il nous reste tout ça à faire. Et puis il nous faut prendre tous ces animaux là avec médaille or. Voilà. Celle-là on essaiera de se la refaire. Hein, parce qu'on y est allé tout à l'heure. Hein. Et puis c'est le jeu à mon avis qui m'a fait un gros doigt aussi. Qui me l'a pas validé ni quoi que ce soit. Ça c'est pareil, on se l'a fait tout à l'heure mais. Avec un dindon, il aurait dû me la valider. Il m'a fait un gros doigt aussi. Ensuite, il restera ça, mais c'est à l'arc qu'il faut le faire. Relever un élan abattu à la carabine à chargement par la bouche. Je m'en suis fait 3. Bah, les 3, il m'a fait un doigt. Voilà. Il nous restera ça à faire, mais qu'il faut trouver les endroits où ça se trouve exactement. Que ça, à mon avis, c'est avec le temps qui va passer qu'on va y tomber dessus. Et il reste des coyotes à faire. Donc, grosso modo, demain soir. Demain soir, on va essayer de se. De sortir un arc. Et de se faire un certain nombre de choses.
C'est-à-dire qu'en l'occurrence, on va essayer de se faire prélever des animaux. Alors ça, c'est à moins de 30 mètres avec un tir au cœur. Celle-là, elle va être sympa à faire. À au moins 50 mètres à l'arc avec un tir au cœur, ça va être sympa aussi. Et celle-là, à plus de 100 mètres, ou à au moins 100 mètres, elle va être pas mal. Donc ça va tirer... Sinon, ça va tirer sévère. Hein. Donc, on n'est pas dans la merde, quoi, en gros. Après, il va falloir que je me passe un dindon à l'arc. Ça va être sympa aussi. Ben, bref, demain, c'est... Ben, demain, non. C'est ce soir, plus exactement. C'est opération archerie, quoi. Et puis, on verra bien où est-ce que ça nous amène, hein. Donc à mon avis, ouais, on va y passer un certain temps à les faire, à celle-là. Ou du moins, à essayer de se les faire. Hein. Donc, qui c'est qui y a, Kiki, donc? Ouais. Ah ben ça va pas être possible, donc je vais vous envoyer chez lui, tiens, pour ne pas changer là. Il est où ce merdier? Il est là. Donc alors, la personne s'appelle comme ça. Donc le raid, ben, il est lancé. Que moi je vous remercie de votre présence, que je suis vraiment désolé pour tous ces problèmes de connexion à internet. Que je sais pas si c'est la météo, si c'est quelqu'un qui m'en veut ou quoi que ce soit. Mais que bon, on se retrouvera donc ce soir sur les coups de 20h en théorie. Je dis bien théorie parce que en ce moment il y a la théorie, il y a la pratique. Et que ben, je vous dis bonne nuit à celles de ceux qui vont se coucher, bonne journée à celles de ceux qui se lèvent et de ne pas y en avoir beaucoup. Je te dis aussi bien à cet après-midi, Anto, que j'essaierai de passer là, en début d'après-midi. Et que dans tous les cas, ben, je vous dis bonne fin de nuit ou de journée et à ce soir. Merci à toutes et à tous, à plus. Il gagne des codes. Qu'as-tu ou pas? Merci Crisis pour ton être bien lu. Merci Crisis pour ton être bien lu. Non, c'est passé pour live. Bon, bah après, ils ont... Je sais que franchement, je présenterai le truc demain. Je présenterai le truc demain. Et franchement, tu vas voir qu'il y a un potentiel intéressant. Ça va bien et toi, tu étais sur Zienda. La chasse. Elle était bonne. Ah ouais, carrément. Ça va bien et toi, tu étais sur Zienda. La chasse. Oh bah tu peux partir en tant que de fou. Je le dirai pas trop parce que Harp qui est en live, on sait jamais, voilà. Il veut avoir des oreilles. Fais gaffe, il a des oreilles. Seuls les murs ont des oreilles. Live, on sait jamais. Mais non, j'ai déjà mes idées pour l'avoir testé 5 minutes là, j'ai déjà mes idées en tête. D'ailleurs, j'ai fait. Avec Spizo, c'est qu'il a toujours mes idées à droite à gauche. Ouais, toujours. Je manque pas d'idées, tu sais. Je manque de temps, c'est tout. Sinon, je manque pas d'idées. Ah, sale petite connexion. C'est dommage que les journées fassent que 24 heures. Ouais, c'est ça qui est con. Tu vois, il est 1h du matin, je me lève à 7. Je me lève à 6. Ouais, c'est à peu près ça aussi, hein, je te rassure.
Du coup, Arp, j'ai mis un sondage pour ce week-end, ce que vous voulez faire. On est un peu trop, je crois. Parce qu'on serait... Je peux enlever Kali. Kali, je pense qu'au pire, il va le tester en... Il va le tester comme ça, tu sais. Je pense que la FSL l'intéressera pas. Sinon, on dédouble les équipes. On fait une équipe streamer Valheim, une équipe streamer FSL. Pour ceux qui seraient intéressés. Ça peut marcher comme ça.